Lumière sur Apocalypse 12. Il est important pour notre édification d'être éclairé sur les prophéties dernières. Apocalypse chapitre 12, je vais d'abord expliquer du verset 1 jusqu'au verset 6. Alors, je fais la lecture. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Amen. La prophétie ici nous parle de deux mystères, deux signes mystérieux. Le premier, un grand signe, c'est-à-dire une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Le deuxième signe, un grand dragon rouge, qui a 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Nous voyons la femme, le premier signe, avoir des douleurs d'enfantement et qui se prépare à enfanter un fils. Et le dragon maintenant se dresse comme un ennemi et cherche à dévorer cet enfant, ayant échoué parce que le fils fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Alors, la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Quand vous lirez la suite, vous verrez le dragon qui va chercher à nuire cette femme. Donc ici, la prophétie d'Apocalypse 12 nous parle de l'histoire de cette femme-là. Il s'agit de son histoire. Et on nous parle ici de son ennemi qui a cherché à dévorer son enfant, qui a cherché à nuire, à détruire cette femme. Qui est cette femme? Beaucoup ont interprété cette femme comme étant l'Église parce qu'elle a 12 étoiles sur sa tête, une couronne de 12 étoiles. Et ceci a été vu par plusieurs comme étant les 12 apôtres de l'agneau. Mais laissez-moi vous dire que cette interprétation n'est pas correcte parce qu'ici, il ne s'agit pas de l'histoire de l'Église. Détrompez-vous. Cette femme-là, elle a enfanté un fils. Et d'après la description qui est donnée à ce fils ici, il s'agit de Jésus. On y reviendra tout à l'heure. D'avance, sachez qu'il s'agit de Jésus. Et si nous disons que cette femme représente l'Église, ceci veut dire que c'est l'Église qui a enfanté Jésus. Ce qui n'est pas correct, parce que pour ceux qui nous concernent, ce ne sont pas nous qui avons enfanté Jésus, mais c'est Jésus qui nous a engendrés. Est-ce que vous comprenez cela? Or ici, c'est la femme qui donne naissance à Jésus. Donc on ne peut pas dire que cette femme c'est l'Église, parce que ce n'est pas l'Église qui a enfanté Jésus, mais c'est Jésus qui a engendré l'Église. Ça, il faut bien le comprendre. Ici, la femme a la lune sous ses pieds. Laissez-moi vous dire que l'Église n'a jamais foulé la lune. On va y revenir tout à l'heure. C'est alors que d'autres ont pensé maintenant que cette femme-là, c'est Marie. Puisqu'ici, on parle d'une femme qui donne naissance à un fils, comme il s'agit de Jésus. Donc, c'est l'histoire de Marie. Détrompez-vous. Tout le tableau d'Apocalypse 12, ce n'est pas l'histoire de Marie dont il est question. Il est question, on va expliquer tout à l'heure. Pourquoi il ne s'agit pas de Marie? Mais c'est simple. Le verset 6 nous dit, « Et la femme s'enfuit dans le désert. »
où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Or, de la naissance à la mort de Marie, ce que dit le verset 6 ne s'est jamais réalisé. Ça s'est jamais réalisé dans la vie de Marie. Et quand vous allez au verset 14 d'Apocalypse 12, on dit « Les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert. » Voyez, ceci s'est jamais accompli dans la vie de Marie. En tout cas, il est impossible de prouver. Je dis bien impossible, je n'ai pas dit difficile. Il est impossible de prouver l'accomplissement de cette écriture dans la vie de Marie. Si vous pensez que tout le chapitre 12, c'est pour nous parler de la vie de Marie, c'est que vraiment, je ne sais pas. C'est que je ne sais pas. Si Jean n'avait pas mieux à faire, excusez-moi de le dire ainsi, pour nous parler de la vie de Marie dans tout un chapitre. Non, ici, il s'agit de l'histoire d'un peuple. C'est l'histoire d'un peuple qu'on est en train de nous parler ici dans des grandes lignes. Et il s'agit du peuple Israël. Cette femme-là n'est ni l'Église, ni Marie, excusez-moi. Il s'agit d'Israël. Les prophètes appellent Israël par la femme, notamment le prophète Ésaïe. Allons-y voir cela. Donc, à la femme, vous mettez Ésaïe, chapitre 54, verset 6, que je vais lire. « Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. » Voyez-vous? Donc, l'Éternel rappelle Israël comme une femme délaissée, au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Donc, on voit qu'Israël, c'est la femme qui a été délaissée à cause de son infidélité. Si vous avez bien lu l'histoire d'Israël dans la Bible, vous savez qu'Israël a été infidèle à Dieu. Israël a transgressé la loi que Dieu lui a donnée. Alors, Dieu a délaissé Israël. Mais Dieu promet qu'il va rappeler Israël comme une femme délaissée. Et voici pourquoi dans notre prophétie, je parle d'Apocalypse 12, cette femme a les douleurs de l'enfantement. Oui, il s'agit des conséquences de l'abandon de Dieu. Quand Israël a été infidèle à Dieu, Dieu l'a livré aux païens, Dieu l'a livré aux nations. Et Israël a connu les douleurs de l'enfantement et les prophètes en ont parlé. Si vous avez bien lu les prophètes ont bien décrit les douleurs d'enfantement du peuple Israël. On va y revenir. Donc, que nul ne vous trompe, ici on nous parle du tableau d'Israël. Cette femme-là, qui est enveloppée du soleil et dont la lune est sous ses pieds. Que représentent le soleil et la lune? Pour ce faire, nous allons revenir depuis le commencement, c'est-à-dire à la création du soleil et de la lune. Genèse, chapitre 1, verset 16. Il est écrit, « Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. » Pour ceux qui ne comprennent pas que ces deux grands luminaires, hein, c'est le soleil et la lune, je vous invite simplement à combiner Genèse 1, 16 avec le psaume chapitre 136, verset 8 à 9. Le premier grand luminaire qui préside au jour, c'est le soleil. C'est bien expliqué là-bas dans le psaume que je viens de vous donner. Le deuxième grand luminaire qui préside à la nuit, c'est la lune. Donc, nous comprenons que l'astre dominant qui préside le jour, c'est le soleil, tandis que la nuit, c'est la lune. Qu'est-ce que ce mystère veut encore dire? Parce que ça aussi, c'est une prophétie. C'est un mystère. Quand vous lisez Exode chapitre 24, verset 4, je vais d'ailleurs faire la lecture, il est écrit, « Moïse écriva toutes les paroles de l'Éternel. Puis, il se leva de bon matin, souligné bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. » Alors ici, la loi a été inaugurée pendant le jour. De bon matin, Moïse va bâtir un autel avec 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Il va faire des sacrifices, il va faire la lecture des paroles de la loi
quand le peuple va entendre, ils vont dire, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Est-ce que vous voyez? Et Moïse va asperger le sang sur le livre et sur le peuple. C'est ainsi que la première alliance est normalement introduite. Et c'est bien expliqué par Hébreux chapitre 9. Dans Hébreux chapitre 9, versets 18 à 19, il est écrit « Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple. » Voyez-vous? Donc, la première alliance avait été inaugurée avec du sang. Et ça s'est passé pendant le matin. Exode chapitre 24, je vous ai simplement lu le verset 4, vous pouvez lire la suite. Donc, c'est de cela dont parle Hébreux chapitre 9 que nous venons de lire, versets 18 et 19. C'est pour vous dire que la première alliance, parlant de la loi, a été inaugurée pendant le jour, de bon matin. Or, selon Exode chapitre 12, verset 6, il est dit que toute l'assemblée d'Israël devait immoler l'agneau entre les deux soirs, c'est-à-dire dans la nuit. Donc, le temps du matin, c'est le temps de la loi. Le temps du soir, c'est le temps de la grâce. Donc, quand on parle du soleil, c'est l'image de la loi. De la même façon que le soleil vous frappe, c'est ainsi que la loi a frappé l'homme. Et de la même manière que la lumière de la lune est douce, c'est ainsi que la grâce est douce. Voyez? Donc, prophétiquement parlant, lorsqu'on parle du temps du matin, on se réfère ici à la première alliance. Quand on parle du temps du soir, on se réfère ici à la nouvelle alliance. L'astre qui brille pendant le jour, c'est le soleil, c'est l'image de la loi. L'astre qui préside à la nuit, c'est la lune, l'image de la grâce. Ainsi, quand on nous dit que cette femme d'Apocalypse chapitre 12, qui représente Israël, est revêtue du soleil, ceci présente Israël qui est revêtu de la loi. Mais lorsqu'on nous dit qu'elle a la lune sous ses pieds, ceci traduit qu'elle a foulé aux pieds l'agneau de Dieu, qu'elle a foulé aux pieds la grâce. Est-ce que vous comprenez cela? Je sais que le soleil et la lune ont beaucoup de sens dans les Écritures, mais voici le sens que conduit par l'Esprit que je vous ai donné par rapport à Apocalypse chapitre 12. Donc Israël qui s'est attaché à la loi, mais qui a foulé la grâce de notre Seigneur Jésus. On nous parle aussi de cette douce étoile. Elle avait une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Vous comprenez, ça parle des 12 fils d'Israël. Pourquoi lorsqu'on parle de 12, vous voyez automatiquement 12 apôtres? Il y a aussi les 12 fils d'Israël qui sont le fondement d'Israël. Selon Genèse chapitre 37, verset 9, Joseph avait un songe dans lequel il avait vu le soleil, la lune et 11 étoiles venir se prosterner devant lui. Et son père Jacob expliquait cela comme étant: est-ce que c'est lui, sa femme et ses frères qui doivent tous venir se prosterner devant lui? Néanmoins, les 11 étoiles, Joseph, lui, c'était la 12e étoile. Donc, par là, nous avons l'explication des 12 étoiles comme étant les 12 fils d'Israël. La prophétie nous dit, je parle d'Apocalypse 12, que cette femme était en travail. Elle gémissait, elle était saisie de douleur de l'enfantement. Prenons le prophète Ésaïe pour expliquer cela. Ésaïe chapitre 26, verset 17. Il est écrit: comme une femme enceinte sur le point d'accoucher se tord et crie au milieu de ses douleurs, ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Voyez-vous, c'est ce que je vous disais. Donc Israël, qui était infidèle à son Dieu, parce qu'on parle de son histoire ici là, elle était infidèle à son Dieu et Dieu l'a délaissée. Dieu l'a livrée aux nations. Et les nations ont maltraité les enfants d'Israël. C'est cela l'image des douleurs d'enfantement dont parle Apocalypse chapitre 12. Voyez-vous? Et Michée chapitre 4, versets 9 à 10 aussi complète ce tableau en ces termes. Pourquoi maintenant pousses-tu des cris?
N'as-tu point de roi, plus de conseiller, pour que la douleur te saisisse comme une femme qui accouche? Fille de Sion, souffre et gémis comme une femme qui accouche. Car maintenant tu sortiras de la ville et tu habiteras dans les champs et tu iras jusqu'à Babylone. Là, tu seras délivré. C'est là que l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. Voyez-vous? Donc Dieu a livré Israël à Babylone aux nations parce qu'Israël a transgressé l'alliance. Et donc, les coups que Dieu lui a infligés à travers les nations, c'est ce qui est interprété. C'est ce qui est expliqué comme étant les douleurs de l'enfantement dont nous parle Apocalypse chapitre 12. Et Israël qui gémissait sous le poids, sous le joug des nations, notamment sous le joug romain, espérait à la venue du Messie pour qu'il soit délivré de cette oppression, de ce joug. C'est ce qu'indique la femme qui doit enfanter. Et le fils, c'est Jésus-Christ qui est venu. Voyez-vous? Sauf qu'Israël ne l'a pas reconnu. Bon, revenons à notre Apocalypse chapitre 12. Je vais relire les versets 1, 2. Il est écrit, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil. On a compris que c'est Israël, revêtue de la loi. La lune sous ses pieds, c'est-à-dire qu'elle a foulé la grâce. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête, c'est-à-dire les 12 fils d'Israël qui sont sa couronne. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Donc Israël ayant transgressé l'alliance et qui était opprimé par les nations, Dieu l'avait livré aux nations. Passons maintenant au verset 3 pour le deuxième signe qui dit « Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. » Expliquant ce qu'est le dragon rouge. Dans Apocalypse chapitre 12, qu'est-ce que le dragon? Nous prenons le verset 9 qui explique le dragon comme ceci. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc nous voyons qu'ici, le grand dragon en question, c'est Satan, le diable. Mais Apocalypse 12 nous précise que c'était un grand dragon rouge. Que peut bien représenter cette couleur-là rouge? Quand on parle de la couleur rouge, ça représente le sang. C'est la couleur du sang, voyez-vous? Mais ici, ce n'est pas le sang de Jésus, non. C'est pour dire que le dragon en question, qui est le diable, est un meurtrier parce qu'il a versé le sang de beaucoup de prophètes, de beaucoup de serviteurs de Dieu. Selon Jean chapitre 8, verset 44, qui dit aussi, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Il a été meurtrier dès le commencement. Souligné meurtrier. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Je m'arrête à ce niveau. Donc, on appelle le diable le meurtrier. Donc, quand on dit un dragon rouge, ça veut dire Satan, le diable, le meurtrier. On dit de ce dragon qu'il avait 7 têtes. L'explication de 7 têtes se trouve dans Apocalypse chapitre 17, versets 9 à 10, il est écrit là-bas, « C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, 1 existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. » Donc, selon Apocalypse chapitre 17, 9 à 10, les 7 têtes du dragon désignent 7 montagnes. Mais ça signifie aussi 7 rois. Et l'ange explique que 5 de ces rois sont tombés, 1 existe et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Mais nous, quand on a donné deux significations ici à cette tête, c'est-à-dire ça désigne 7 montagnes, ça désigne aussi 7 rois, mais nous, par rapport à Apocalypse chapitre 12, on va garder le sens de sept rois. Pourquoi? Parce que dans notre chapitre, Apocalypse 12, je vais revenir au verset 3 qui dit « Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes.
et sur cette tête, cette diadème. Voyez-vous? Donc, on dit que cette tête-là avait des diadèmes. Donc, on peut dire des couronnes. Est-ce que vous voyez? Or, on sait que quand on parle de diadème, on parle de couronne, on voit les rois. Donc ici, quand on parle du dragon, ceci représente Satan, la couleur rouge. Donc, il est meurtrier, le sang des serviteurs de Dieu qu'il a répandu. Et quand on parle de ces sept têtes, ce sont sept rois. Dont cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Mais le temps me manquerait pour expliquer ces sept rois-là en détail ici. Je ne vais pas le faire dans cet enseignement-là. Mais gardez à l'esprit qu'il s'agit de sept rois. Je dis qu'on prend l'explication de ces sept têtes comme étant les sept rois et non les sept montagnes ici dans Apocalypse 12 à cause des diadèmes qui y sont posés. Et vous remarquez ici dans Apocalypse chapitre 12, on dit qu'il avait sept têtes et dix cornes. Mais on nous parle simplement du couronnement de sept têtes. Est-ce que vous voyez? On nous parle simplement du couronnement de sept têtes. Mais on ne parle pas du couronnement des dix cornes. Alors, quand vous allez dans Apocalypse chapitre 13 maintenant, la bête qui monte de la mer, elle a aussi sept têtes et dix cornes. Et bizarrement, là-bas, ce sont les mystères du royaume, hein? Là-bas, dans Apocalypse 13, ce sont les dix cornes qui ont les dix diadèmes. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, que représentent les dix cornes aussi? Donc, pour l'explication des dix cornes, nous prenons Apocalypse chapitre 17, nous lisons le verset 12. Il est écrit, « Les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. » Est-ce que vous voyez? Donc, cette tête, ce sont sept rois. Les dix cornes, ce sont aussi dix rois. Mais ce sont dix rois qui n'ont pas encore reçu. Ici, on dit, ce sont dix rois qui n'ont pas encore reçu de royaume. C'est pourquoi ces dix cornes ne sont pas couronnées. Parce que ces dix rois-là vont exercer au temps de la bête. Voici pourquoi c'est dans Apocalypse chapitre 13. Quand je dis au temps de la bête, je parle ici de l'Antéchrist. Voici pourquoi dans Apocalypse 13, qui parle maintenant de l'Antéchrist, vous allez remarquer que les dix cornes ont maintenant dix diadèmes, parce que c'est leur temps maintenant pour régner. Ainsi, Apocalypse chapitre 12, on n'est pas encore au temps de l'Antéchrist. On n'est pas encore au temps de l'Antéchrist ici. C'est pourquoi les dix cornes n'ont pas encore de diadèmes, mais ce sont simplement les sept têtes qui ont les sept diadèmes. Donc, montons que c'est encore le temps de ces sept rois-là, dont cinq sont tombés et un était en cours et l'autre n'est pas encore venu. Bon, bref, je disais, on ne va pas rentrer trop en détail là-dessus. Ce sont souvent des parties très complexes et compliquées. Pour ne pas que tout le monde se perde, gardons le cœur du message. On nous a parlé aussi de la queue du dragon qui entraînait le tiers des étoiles du ciel. Cette figure prophétique est très mal interprétée. Beaucoup disent qu'il s'agit des anges, ces étoiles-là, que le diable a emmené à sa révolte, qu'il a emmené à se révolter lorsqu'il fut expulsé du ciel. Et je vous ai déjà expliqué dans l'enseignement, Satan n'est pas Lucifer, que cette compréhension, cette manière de comprendre cette partie de la prophétie est erronée. C'est faux. Quand on dit que sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, je vous ai déjà dit, il ne s'agit pas d'une séduction ou d'une révolte, il s'agit d'une attaque. C'est-à-dire que sa queue, c'est un fouet ici. Sa queue a fouetté, ça a entraîné le tiers des étoiles du ciel. Et c'est pourquoi je vais revenir pour que vous puissiez bien comprendre qu'il s'agit d'une attaque. Je vais relire simplement le verset 4. Écoutez bien, Apocalypse 12, verset 4. On dit, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Vous voyez, on ne dit pas que lui et les étoiles tombaient par terre. On dit, il les jetait. Ça vous fait penser à quoi? On dit, la queue entraîne le tiers des étoiles du ciel et les jetait. Vous voyez? Donc, ça représente ici une attaque du diable qui a fait tomber beaucoup d'étoiles. Oui, le diable a fait tomber beaucoup d'étoiles. Beaucoup. Et pour la compréhension de cette partie prophétique, je vous avais demandé de lire Daniel chapitre 8 pour comprendre cette partie-là. Mais avant de lire cela, il faut déjà que je vous explique c'est quoi les étoiles ici. Les étoiles ici, c'est quoi?
1 Chronique, chapitre 27, verset 23. Je fais la lecture. David ne fit point le dénombrement de ceux d'Israël qui étaient âgés de 20 ans et au-dessous. Car l'Éternel avait promis de multiplier Israël comme les étoiles du ciel. Donc, quand on parle des étoiles ici, on parle de la postérité d'Abraham. Dieu avait promis de multiplier Israël comme les étoiles du ciel. Nous prenons Genèse 15, verset 5, qui dit « Et après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et lui dit « Telle sera ta postérité. » En fait, j'aimerais que vous puissiez comprendre qu'ici, les étoiles ne font pas référence aux anges. Non. Les étoiles ici parlent d'Israël. Et le diable a persécuté beaucoup de serviteurs de Dieu. Il a persécuté beaucoup d'hommes pieux parmi les enfants d'Israël. Oui, si vous avez bien lu votre Bible, ils ont été énormément persécutés. Donc, c'est ce qu'indique la queue du dragon qui attaque, qui entraîne les étoiles et les jette par terre. Donc, c'est la persécution ici. Et peut-être vous ne comprenez pas bien ce que ça signifie. Pourquoi je dis c'est la persécution? Je vais prendre une autre prophétie dont l'explication a déjà été donnée. Et cette prophétie-là, c'est exactement la même image que celle que nous présente Apocalypse 12, verset 4. Quelle prophétie je vais prendre? C'est Daniel chapitre 8. Je vais lire du verset 3 jusqu'à 12. Suivez, s'il vous plaît. Je levai les yeux, je regardais, et voici, un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes. Ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre. Et elle se leva de la terre. Elle se leva la dernière. Et je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister. Et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula. Et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant. Notez bien le verset 8. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. Quatre grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux quatre vents des cieux. Verset 9, écoutez bien le verset 9. De l'une d'elles sortit une petite corne. Suivez bien cette petite corne. Qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Écoutez bien ce que fait la petite corne au verset 10. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Avez-vous entendu? Cette petite corne s'est élevée jusqu'à l'armée des cieux. Elle a fait tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles. Donc, de la même manière que la queue du dragon d'Apocalypse 12, verset 4, a fait tomber un tiers des étoiles à terre, c'est bien marqué au verset 4 d'Apocalypse 12. Ainsi, dans Daniel 8, on a aussi une petite corne qui s'est levé jusqu'à l'armée des cieux et a fait tomber une partie des étoiles sur la terre. Poursuivons, on va voir l'explication qui est donnée à Daniel 8. Verset 11, elle se leva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Bien. Donc, on est venu ici pour comprendre surtout la même image que nous avons dans l'Apocalypse 12. Hein? On n'est pas venu ici pour expliquer en détail le bélier, le bouc. N'ayez pas peur. On est venu ici parce que là, se trouve là exactement la même image que nous avons dans l'Apocalypse 12. Sauf que dans l'Apocalypse 12, c'est la queue qui jette à terre un tiers des étoiles. Or ici, c'est la petite corne, voyez, qui applique la même chose. Mais comme c'est l'Écriture qui explique l'Écriture, on va écouter alors l'explication.
Alors, l'ange va expliquer cette prophétie de Daniel 8 que nous venons de lire. Suivons bien son explication. Je prends à partir du verset 20. Daniel chapitre 8, verset 20 jusqu'à 25. Il est écrit: Le béliers que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Java. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les quatre cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont quatre royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Écoutez bien, le roi impudent et artificieux qui va s'élever, c'est la petite corne qu'on a lue. Donc on nous explique qu'il s'agit d'un roi. Verset 24, on dit, sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. Avez-vous écouté? On dit qu'il va faire d'incroyables ravages, parce qu'on a dit qu'il s'est élevé jusqu'à l'armée des cieux et a fait tomber une partie de cette armée et des étoiles. Donc, dans l'explication, on nous dit que la puissance de ce roi-là, qui est la petite corne, elle va s'accroître, elle va faire d'incroyables ravages, réussir dans ses entreprises, va détruire les puissances, c'est ça l'armée des cieux. Et le peuple des saints, c'est-à-dire les étoiles. Et ceci est une prophétie déjà accomplie. Voilà, on va pas rentrer trop en détail. Le bélier ici, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. C'est le royaume Médo-Perse. C'est une prophétie déjà accomplie. Le bouc ici, c'est le royaume grec. Donc, pour ceux qui connaissent l'histoire, ils savent que c'est une prophétie déjà accomplie. La petite corne ici, c'est Antiochus Épiphane. C'est dans l'histoire d'Israël, tout ça. Qui a fait d'incroyables ravages et qui a persécuté des puissants et le peuple des saints. Le peuple des saints ici, ce sont les enfants d'Israël. C'est une prophétie déjà accomplie. En tout cas, les pieux d'Israël. C'était afin que vous puissiez comprendre que de la même manière, dans Apocalypse 12:4, on nous parle de la queue du dragon qui a entraîné un tiers des étoiles et les a jetées à terre. Ainsi, dans Daniel 8, on a cette petite corne qui s'est élevée jusqu'à l'armée des cieux et a fait tomber une partie de l'armée et des étoiles. Et on explique ici, l'ange explique, il n'a jamais dit que c'était une révolte pour des anges. Pourtant, on parle bien des étoiles ici. Mais il a dit qu'il s'agit du peuple de saints qu'on a persécuté. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, Apocalypse 12:4, je vous ai bien dit qu'ici, ces deux signes-là, c'est une guerre. La guerre de Satan qui veut faire disparaître le peuple d'Israël. Ça a toujours été une guerre qui date et qui continue. Est-ce que vous voyez ça? Ce peuple-là, c'est pourquoi Paul dit, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Ce peuple-là, le salut vient vraiment des Juifs, hein? Si ce n'est pas Dieu, ce peuple allait disparaître depuis. C'est ce que Apocalypse chapitre 12 est en train de nous révéler. Ce peuple-là est l'objet des persécutions. Et l'erreur commise par ce peuple était d'avoir abandonné Dieu, avoir été infidèle à Dieu. C'est alors que Dieu les a livré ce peuple entre les mains des Babylones et des nations qui ont maltraité ce peuple. Et c'est pourquoi on parle des douleurs d'enfantement. Mais Dieu n'a pas délaissé ce peuple. Il n'a pas, je veux dire, il ne l'a pas abandonné. Parce qu'il va rappeler ce peuple-là. Il va rappeler ce peuple d'après Ésaïe chapitre 54 que nous avons lu. Et c'est d'ailleurs ce qu'est en train de nous révéler même aussi Apocalypse chapitre 12. Bon, maintenant, nous, l'Église, on est situé à quel niveau? Je sais, on va y arriver parce que nous aussi, on parle de nous dans cette prophétie-là. Et c'est d'ailleurs le but même pour lequel, surtout, je voudrais qu'on parle de cela. Vous voyez? Pour ne pas qu'on pense ici, on n'est pas concerné. Si, dans le tableau de l'Apocalypse 12, on parle de nous quelque part, je vais chuter par là. Mais décodons d'abord tout ce qui est codifié ici, que ce soit les têtes, les cornes ou le soleil, la lune, les étoiles. Il faut d'abord décoder pour bien comprendre de quoi il est question. Donc, le diable s'est toujours dressé contre ce peuple. Si ce n'est pas la grâce de Dieu qui est là sur Israël, ce peuple allait disparaître il y a longtemps, hein? Il y a longtemps. Voyez, mais c'est Dieu qui a préservé ce peuple. Et après, on nous dit qu'elle a mis au monde un fils. Revenons à la lecture d'Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Je vais prendre le verset 5. Il est dit,
elle enfanta un fils. Mais avant de lire le verset 5, j'aimerais d'abord attirer votre attention au verset 4. Le dragon dont la queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Donc, il persécutait les saints et les jetait sur la terre. Donc, il persécutait les saints qui étaient parmi les enfants d'Israël. C'était les pieux, les saints qui voulaient marcher selon Dieu. On dit la partie B du verset 4, c'est-à-dire la deuxième partie de ce verset dit « Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. » Ceci, cette partie prophétique-là, s'est accomplie quand? Pour ceux qui disent qu'il s'agit de l'Église ici. Il ne s'agit pas de l'Église. On sait très bien que le roi Hérode, selon Matthieu chapitre 2, avait décrété la mort des enfants de 2 ans et en dessous dans le but de tuer le roi des Juifs qui allait naître. C'est là l'accomplissement de cette partie, cette deuxième partie du verset 4 là. Vous voyez? Donc, ça se trouve dans Matthieu 2. Quand les mages suivent l'étoile et qu'ils viennent pour adorer le roi des Juifs, quand Hérode apprend cela, il est saisi d'épouvante. Donc, il va décréter la mort de ces enfants-là en espérant atteindre Jésus. Vous voyez? Donc, on parle ici bien de l'histoire d'Israël. Ça n'a rien de ce que les gens vous ont dit concernant l'Église. L'Église n'est pas située à ce niveau-là. Reprenons notre verset 5. Apocalypse 12, verset 5. On dit, elle enfanta un fils, comme dit Ésaïe chapitre 9, 5 à 6. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. Un enfant nous est né. C'est parmi les enfants d'Israël. Hein? Un enfant, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Il y a d'autres aussi qui ont expliqué que ce fils-là, c'est l'Église. Il y a tellement d'explications bizarres qui sont données aujourd'hui. Bref, restons fidèles à la parole de Dieu. On dit de ce fils, il doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Donc, on ira voir comment cette prophétie-là concerne Jésus. Après, on nous dit, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Vous voyez? Donc, le fils-là, c'est Jésus. Selon Ésaïe 9, verset 5, un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. Et on dit qu'il doit paître. Donc, à fils, vous mettez Ésaïe 9, 5, et qu'il doit paître toutes les nations. Vous prenez Apocalypse, chapitre 19. Vous pourrez lire à partir du verset 11, hein, mais moi, je vais simplement prendre le verset 15. Il s'agit de Jésus. On dit, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les paîtra avec une verge de fer. Vous voyez? Donc, on comprend que ce fils-là, c'est Jésus. On dit que ce fils-là fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Ceci s'accomplit par rapport à Marc chapitre 16 verset 19 où il est écrit « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. » Vous voyez, ça s'est déjà accompli. Maintenant que nous avons expliqué du verset 1 jusqu'au verset 6, nous allons prendre alors la suite à partir du verset 7. Je parle ici d'Apocalypse 12. Lisons Apocalypse 12 du verset 7 jusqu'au verset 12. Il est écrit « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie, jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Cette partie-là, je l'ai déjà bien expliqué dans l'enseignement « Satan n'est pas Lucifer ». Ceux qui n'ont pas encore regardé cela, allez regarder, c'est disponible sur la chaîne. J'ai déjà bien expliqué cela. Donc du coup, peut-être que je n'irai pas trop en profondeur parce que j'ai déjà bien expliqué cela là-bas. Et donc, si vous avez des points d'ombre, je vous demande simplement d'aller regarder cet enseignement-là. Vous voyez?
Donc, il est important que les enseignements s'enchaînent souvent parce que si à chaque fois je dois venir réitérer, répéter, vous voyez, à un moment donné, ça devient très compliqué et ça alourdit et ça rallonge le temps des enseignements. Donc ici, cette guerre, je vous l'avais déjà dit, elle n'a pas lieu avant notre monde. Comme l'a dit John Milton, le poète, qui est à l'origine de cette fable selon laquelle Satan s'était rebellé contre Dieu avant notre monde et il fut précipité. Et ils ont tordu Apocalypse 12 ainsi qu'Ézéchiel 28, Ésaïe 14. Et ils ont déformé le sens de la prophétie pour épouser cette fable-là, pour soutenir cette fausseté-là. Et malheureusement, des hommes qui disent être des hommes de Dieu ont repris cela, bon, d'autres par ignorance, d'autres je ne sais pas comment il faut en juger. Ils ont repris cela et ça atteint aujourd'hui, là, tous les croyants savent que Satan s'appelait Lucifer, c'était un bel ange. À cause de son orgueil, il a voulu prendre la place de Dieu et il a entraîné des anges à sa suite et il a voulu renverser le pouvoir de Dieu. Vous voyez, cette fable est racontée et elle est crue dans le monde. Sachez qu'elle n'est pas la vérité, c'est la fausseté. Cette guerre a lieu à partir du sacrifice de Jésus. Jésus a dit dans Jean chapitre 12, verset 31, ceci. Maintenant, il n'a pas dit avant. Il a dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Vous voyez? C'est maintenant qu'il sera jeté dehors. Pourquoi? Selon Colossiens chapitre 2, verset 15, il est écrit, on parle de Jésus, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Mes frères, la croix, c'est un combat, c'est une guerre. C'est un combat que notre Seigneur Jésus-Christ a mené. Et il a triomphé. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et maintenant, le diable qui se tenait auprès de Dieu pour nous accuser jour et nuit. Voyez? Quand le diable ici est précipité dans l'Apocalypse 12, la prophétie dit qu'il était précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Mais si vous vous situez ça avant notre création, avant notre naissance, mais ça, ceci n'a pas de sens. Ceci n'a pas. Qui alors le diable accusait devant Dieu jour et nuit? Qui alors il accusait si nous on n'était pas encore là? Si c'est une guerre qui a lieu avant nous, mais qui était accusé devant Dieu alors? Donc ça montre que cette guerre a lieu. Nous on est déjà là. Nous sommes déjà, notre monde existe déjà et le péché d'Adam qui est déjà consumé, nous sommes là et le diable, effectivement à cause du péché, nous accusait devant Dieu jour et nuit. Maintenant, par l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix, nous avons été délivrés. Nous avons été sauvés. Et donc, le diable n'a plus ce ministère qui consiste à nous accuser devant Dieu jour et nuit. Voici pourquoi Paul déclare dans Romains chapitre 8, verset 33, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite du Père, il intercède pour nous. Donc on ne peut plus nous accuser aujourd'hui devant Dieu. Le diable n'a plus ce ministère. C'est pourquoi, par l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, par là, nous avons obtenu la justice et le diable, ce ministère-là, il a été vaincu. Michel et ses anges l'ont jeté dehors. Comme l'a dit Jésus dans Jean 12, verset 31, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Il n'a pas dit le prince de ce monde avait été jeté dehors. Il n'a même pas dit est jeté dehors. Il a dit maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et c'est ce qui se passe. Par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, une guerre est déclenchée. Michel qui jette le diable dehors. Maintenant, là, il ne peut plus nous accuser devant Dieu jour et nuit. C'est pourquoi Paul dit, qui accusera les élus de Dieu? Donc, cette guerre-là, c'est après le sacrifice de Christ. On situe cela par rapport au sacrifice de Jésus et non pas, soi-disant, une guerre, nous on n'était même pas encore nés, le péché adamique n'était même pas encore fait. Non, mes frères, maintenant le diable nous accusait devant Dieu jour et nuit, comment? Vous voyez, on a tordu tes mots des prophètes, c'est pourquoi je suis en train de parler aussi de l'Apocalypse chapitre 12. Parce que comme on n'en parle pas peut-être souvent, alors ça laisse les gens maintenant s'abandonner à des hérésies, des mauvaises interprétations, des mauvaises explications. Mais comme je vous l'avais déjà dit, YouTube c'est pas l'église. Il y a des mystères que je ne peux pas mettre sur YouTube.
Oui, il y a des choses que le Seigneur, même lui-même étant sur la terre, peut dire devant la foule et d'autres, non. Il dit en particulier à ceux qui sont vraiment les disciples. Si vous avez bien lu le ministère de Jésus. Donc, il y a des choses que je ne pourrais pas aborder sur YouTube. Mais par nécessité, celles qui ont lieu d'être abordées, on va les aborder. Mais pour ceux d'entre vous qui écoutez et qui voulaient aller plus loin et être vraiment des disciples dans la vérité, et comme je l'avais dit, ceux qui peuvent prendre leur baptême, qui sont des fausses doctrines, on les baptise, on les a fermés dans la vérité. Maintenant, il y a des choses qu'on peut aller plus en profondeur. Maintenant, revenons à notre Apocalypse chapitre 12. On a expliqué déjà à quel niveau est située la guerre. Donc, on revient à Apocalypse chapitre 12. On va lire à partir du verset maintenant 13. On va s'arrêter d'abord à 14. Je fais la lecture. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Amen. Donc, le dragon va poursuivre la femme. On parle ici des persécutions dernières par rapport à Israël. Oui, Israël sera encore l'objet de persécutions. Sauf que Dieu lui-même va susciter deux ailes. Il va susciter deux ailes pour secourir la femme et pour la conduire dans le désert. On dit au verset 14, les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Vous voyez, dans les dernières persécutions d'Israël, ça là, c'est pas encore accompli, hein? Ça c'est à venir. Dieu suscitera deux ailes qu'il va donner à la femme qui est Israël afin qu'elle ne soit pas victime des attaques du dragon. On dit les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Que représente ce grand aigle et que représentent les deux ailes? Allons-y d'abord dans Deutéronome chapitre 32, versets 9 à 12 pour expliquer ce que signifie cet aigle. Il est écrit dans Deutéronome chapitre 32, versets 9 à 12 « Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. » Amen. Vous voyez, on parle ici d'Israël et on parle de Dieu qui l'a conduit et qui a pris soin de lui. Et on compare ici Dieu à un aigle. De la même façon que l'aigle éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Ainsi, l'Éternel seul a conduit son peuple. Donc, quand on parle du grand aigle, on parle de qui? On parle de l'Éternel lui-même, c'est-à-dire Dieu. Prenons aussi Exode chapitre 19, verset 4. Si vous n'avez pas bien, suivez la lecture de Deutéronome chapitre 32, 9 à 12, réalisé. On compare là-bas Dieu à un aigle. De la même façon que l'aigle veille sur ses petits, ainsi Dieu avait sur Israël, ainsi Dieu l'a conduit. Donc, réalisez très bien. Prenons maintenant Exode chapitre 19, verset 4. Il est écrit, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » Vous voyez? Donc, Dieu a porté Israël. Il a frappé l'Égypte. Il a porté Israël. Il a porté sur des ailes d'aigle et l'a emmené vers lui. Donc, quand on parle du grand aigle, on parle de Dieu lui-même. Maintenant, que représentent les deux ailes? Puisqu'ici, on nous parle de l'Éternel qui a conduit son peuple et on compare cela à un aigle qui conduit ses petits. On parle de Dieu ici qui a délivré Israël de l'Égypte. Vous voyez? Et on compare cela à un aigle qui a porté ses petits. Alors, que représentent les deux ailes? Puisqu'on parle d'Israël ici et on parle de la délivrance dont ils ont été objets, qu'ils ont reçu de Dieu quand ils étaient en Égypte. Alors, les deux ailes, c'est pas difficile de comprendre.
1 Samuel chapitre 12, verset 6. Il est écrit, alors Samuel dit au peuple, c'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron et qui a fait monter vos pères du pays d'Égypte. Amen. Donc, Dieu a établi Moïse et Aaron pour faire monter Israël du pays d'Égypte. Ainsi, les deux ailes du grand aigle, c'est Moïse et Aaron par rapport à ce qui s'était passé en Égypte. Maintenant, par rapport à Apocalypse chapitre 12, les deux ailes qui seront données, les deux ailes du grand aigle qui seront données à la femme pour porter la femme, pour l'emmener loin du serpent, vous voyez, ça parle de deux prophètes. De la même manière que Dieu avait suscité Moïse et Aaron, qui étaient les deux ailes du grand aigle par rapport à ce qui s'est passé dans les temps anciens, ainsi dans les jours à venir, Dieu suscitera deux autres hommes, c'est-à-dire deux prophètes en Israël. Et pourtant, l'Apocalypse en parle. Allons-y voir cela. Dans Apocalypse chapitre 11, versets 3 à 6. Je fais la lecture. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtu de sac pendant 1260 jours. Or la femme, combien dure son séjour dans le désert? Apocalypse chapitre 12. Revenons, Apocalypse chapitre 12, on va lire le verset 6. Il est écrit, « Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Ah. Or, elle ne fuira pas dans le désert d'elle-même, mais selon le verset 14, grâce aux deux ailes du grand aigle. » Revenons d'ailleurs à Apocalypse 12 aussi, lisons aussi le verset 14 qui dit, « Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. » Vous voyez? Donc, Dieu suscitera deux prophètes. C'est ce que révèle Apocalypse chapitre 11 qui vont prophétiser au milieu des enfants d'Israël. Apocalypse chapitre 11, je relis, versets 3 à 6. « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtu de sac pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. » Quand on parle de la description de leurs œuvres, on voit clairement que Dieu suscitera deux prophètes qui auront en eux l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. Parce que c'est lui qui change les eaux en sang, c'est Moïse, voyez? Mais c'est lui qui invoque le feu. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche. C'est lui qui a invoqué le feu, c'est Élie. Donc, quand on parle des deux ailes du grand aigle, c'est deux prophètes que Dieu va susciter en Israël qui auront en eux l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse et qui vont protéger, qui vont garder Israël face aux attaques du dragon. Est-ce que vous avez compris cela? Alors, donc, nous revenons à Apocalypse chapitre 12. Je vais lire le verset 15 cette fois. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Verset 16. Et la terre secourut la femme et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien, ici, nous voyons le dragon, appelé encore le serpent, qui lance de l'eau comme un fleuve derrière la femme pour l'entraîner par ce fleuve. Donc, il a envoyé de l'eau, un fleuve pour entraîner la femme. Mais la terre va ouvrir sa bouche, va engloutir ce fleuve. Que représente ce fleuve? Le fleuve, selon Ésaïe chapitre 59, verset 19, représente les ennemis. Nous allons lire. Ésaïe 59, verset 19, il est écrit, « On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite
Amen. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve. Donc, le fleuve dont parle l'Apocalypse 12, verset 15, si vous pensez à de l'eau littérale, non, non, non. Ce fleuve-là, ce sont les ennemis. C'est-à-dire que le dragon, le diable va susciter une armée puissante, les ennemis d'Israël, qui vont essayer d'attaquer Israël. Mais la terre va secourir la femme. Parce qu'on dit, la terre va ouvrir sa bouche pour engloutir ce fleuve. Or, ce fleuve représente des êtres humains. Ça représente ici des ennemis. Les ennemis, selon Ésaïe 59, verset 19. Donc, une armée ennemie qui va vouloir attaquer Israël. Et la terre va ouvrir la bouche pour engloutir ce fleuve. Ceci ne vous fait pas penser à quelque chose si vous avez bien lu la Bible. La terre qui ouvre la bouche pour engloutir le fleuve. Mais ça c'est le miracle de Moïse. Ça, c'est le prodige de Moïse. C'est pourquoi je vous dis que les deux ailes du grand aigle, c'est l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie qui seront là pour protéger cette femme. Vous voyez? Donc, le dragon va essayer de l'attaquer, de la persécuter, d'envoyer des ennemis pour essayer de la détruire. Mais Moïse, l'esprit de Moïse sera là. Parce que c'est... ces deux ailes-là, c'est Moïse, l'esprit de Moïse, hein, un prophète ayant lu l'esprit de Moïse, et l'esprit d'Élie. Et donc, de la même manière que dans Nombre chapitre 16, allez lire ce passage, Nombre chapitre 16, verset 28 à 32, Moïse avait prié, il avait demandé à la terre de s'ouvrir afin d'avaler Corée, Dathan et tous les rebelles, tous ceux qui s'étaient levés pour semer la division. Tous leurs biens, toutes leurs maisons, tout ce qu'ils avaient, Moïse avait prié pour que la terre ouvre la bouche et les engloutisse. Ceci s'était accompli. Nombre chapitre 16, 28 à 32. C'est ainsi que ceux-là, les ennemis d'Israël qui seront envoyés pour attaquer Israël au temps de ces deux prophètes-là, les deux prophètes-là vont chicoter leurs ennemis. Oui, c'est ce qu'on a lu dans Apocalypse chapitre 11. Ils vont prier, la terre va ouvrir la bouche. La même chose qui s'était produite dans Nombre chapitre 16, 28 à 32, va se répéter. Ça va avaler les ennemis d'Israël. Et voici pourquoi quand on parle de ces deux prophètes, attention, hein, Apocalypse chapitre 11, je vais relire, verset 3. Les deux ailes du grand aigle, explication. Il dit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtu de sac pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis, soulignez bien leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Ils ne pourront pas toucher Israël. En présence de ces deux prophètes. Ça, c'est une prophétie à venir, n'est pas encore accomplie. Vous voyez? Maintenant, nous allons finir parce que, comme je vous l'ai dit, ce tableau d'Apocalypse 12-là nous parle d'histoire d'Israël. Mais nous sommes aussi concernés et on va le voir. Remarquez, nous allons aller à la fin. Apocalypse chapitre 12, le verset 17, il est dit « Et le dragon fut irrité contre la femme, c'est-à-dire Israël, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Oh Seigneur, voici là où nous sommes concernés. Voici là où nous sommes concernés. N'étions-nous pas parvenus à détruire la femme, à atteindre la femme, alors le dragon va se tourner vers le reste de sa postérité. Le reste de sa postérité, ne vous embrouillez pas. Le passage a déjà expliqué qui est le reste de sa postérité. Le reste de sa postérité, c'est nous qui sommes dans les nations, qui gardons les commandements de Dieu et qui avons le témoignage de Jésus. C'est alors maintenant qu'on parle d'Apocalypse chapitre 13, du règne de l'Antichrist, qui est la suite logique. Apocalypse 13 suit Apocalypse 12. Et on nous parle là-bas de cette bête-là qui va faire la guerre aux saints et qui va les vaincre. Il s'agit de nous. Je sais, on vous a déjà donné des faux espoirs quand on vous a enseigné faussement que l'Église ne verra pas la grande tribulation. Et ce qui m'étonne, c'est qu'ils prennent des passages qui même les condamnent eux-mêmes. Il y a ceux qui prennent des passages qui montrent même qu'on verra effectivement l'Antichrist, comme le 2
Thessaloniciens chapitre 2. Je pense que je ferai un enseignement là-dessus pour éclairer tout le monde. Qu'on verra l'Antichrist. D'autres les questions, on le verra. Paul a même dit cela. Il prend des passages qui les condamnent même eux-mêmes. Et d'autres aussi ont enseigné des faussetés telles qu'il y a une venue secrète du Seigneur pour l'enlèvement. Mais qui vous l'a dit? C'est faux. Il y a ceux qui confondent la colère de Dieu qu'il va exercer sur les nations à cause de nous, ses serviteurs, qu'ils vont persécuter. Et parce que le temps sera venu aussi de châtier la terre. Il y a ceux qui confondent cela avec la grande persécution des enfants de Dieu. Parce qu'il y a deux formes de tribulation dans l'Apocalypse. Il y a la tribulation qui est la colère de Dieu. Ça là, nous, on ne va pas hériter la colère de Dieu. Dieu nous a délivré la colère à venir. Est-ce que vous comprenez? Donc cette forme de tribulation là, nous, on ne sera pas concernés. Est-ce que vous comprenez cela? Au contraire, on sera dans la joie. Les prophéties en parlent. Il confond cela avec la grande tribulation qui est la persécution de ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ça nous concerne, nous. Et d'autres encore, ayant compris que ça concerne l'Église, ont été obligés de vous nourrir des faux espoirs en vous disant que non, ça concerne les vierges folles qui vont passer par là. C'est faux! Les vierges folles ne seront jamais sauvées. Jésus a été clair, il dit, je ne sais d'où vous êtes. Pourquoi on veut pervertir les voies du Seigneur? On veut mentir. Quel est le passage qui montre la suite des vierges folles, montrant qu'elles sont sauvées? Ça, c'est faux. Jésus, on dit bien que la porte est fermée. Dès qu'elle est fermée, là, personne ne peut l'ouvrir. Il ne faut pas qu'on mente aux gens. S'il en est ainsi, donc toute la parabole même de Jésus perd son sens. Parce que le but de la parabole de Jésus, c'est de nous montrer que viendra un temps où la porte sera fermée. C'est pourquoi maintenant, là, nous devons nous préparer. Est-ce que vous voyez? Bon, maintenant, s'il y a la possibilité qu'après, qu'on soit sauvé encore, la parabole n'a même plus de valeur. Ça perd complètement tout son sens. On fait dire à Jésus ce qu'il n'a jamais dit. L'Église sera la grande tribulation la même. C'est pour nous-mêmes, si vous ne le savez pas. Ah ouais, si vous avez peur, il n'y a pas de souci. L'Écriture en a parlé aussi. Il y a ceux qui vont abandonner, effectivement, parce que ce sera des temps de persécution contre l'Église du Seigneur. C'est nous le reste de la postérité de la femme. Parce que nous aussi, nous sortons d'Israël. Le salut vient des Juifs. Et on explique bien le reste là en disant ceci. Je relis Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Mais si on pose la question aux apôtres, il s'agit de qui? L'apôtre Jean nous répond dans 1 Jean chapitre 3. Écoutez bien. Qui sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus? Jean nous répond, 1 Jean 3, versets 21 à 24. Il est écrit, « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements. » Écoutez bien, « Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Et c'est ici son commandement. Que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Donc, d'après Jean ici, c'est nous qui gardons les commandements de Dieu. Et son commandement, c'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres. Donc quand on parle de ceux qui gardent les commandements de Dieu, ça parle de nous l'Église. Pourquoi vous vous perdez? C'est l'Écriture qui explique l'Écriture. Donc n'étant pas parvenus à détruire Israël, le diable maintenant se déchaîne sur nous. Est-ce que vous comprenez cela? Et cette prophétie que nous venons de lire l'Apocalypse 12, 17, elle n'est pas encore accomplie, mes frères. Non, elle n'est pas encore accomplie. La guerre contre l'Église n'a pas encore commencé. Sinon, il y a une guerre, hein. Je sais, on n'a pas lutté contre la chair, le sang, mais c'est pas de ça dont je veux parler. Je veux parler de physiquement là où on nous prend, on nous maltraite, on nous emprisonne, on nous égorge. Vous voyez, quand le Seigneur dit, vous serez haïs de toutes les nations. Est-ce que vous savez que c'est pas encore vraiment accompli? Ça accomplit partiellement. On est haïs, mais pas de toutes les nations.
toutes les nations adoreront la bête. Toutes les nations vont redevenir comme au jour de Babel, sera un seul peuple. Ils auront une même pensée, une même religion. Tous seront pour la bête. Maintenant, nous qui gardons les commandements de Dieu et qui avons le témoignage de Jésus, c'est quoi le témoignage de Jésus? C'est l'évangile. Nous qui avons le témoignage de Jésus, l'évangile, et qui allons refuser d'adorer la bête, on sera l'objet des persécutions. Mes frères, ces jours-là arrivent. Tout est en train de se mettre en place. Ces jours-là arrivent. Maintenant là, préparons-nous. Maintenant, si vous vous dites, si vous continuez à vous nourrir de faux espoirs, selon le faux message qui vous a été donné comme quoi, que vous serez enlevé avant ces jours-là. Et écoutez, vous allez régner le Seigneur. Puisque d'avance, on ne vous a pas préparé à affronter cette réalité-là. Cette réalité-là, c'est une vérité biblique. L'enlèvement aura lieu après la grande tribulation. Et non pas avant. La grande tribulation, là, c'est même pour nous. Selon qu'il est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22, que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, il est écrit, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Nous sommes destinés à cela. Donc, au lieu de vous nourrir de faux espoirs, hein, préparez-vous et on fera des enseignements. C'est pourquoi je disais, il est important pour notre édification d'être éclairé sur les prophéties dernières. On verra cette grande persécution-là, cette grande tribulation que beaucoup sont en train de fuir et confondre même avec la colère de Dieu. Cette grande persécution-là, c'est pour qui? C'est pour l'Église, c'est pour nous. On dit, on aime Jésus, c'est là où on saura. Mais pour que l'Église soit préparée à cette réalité-là, il faut que vous soyez bien enseigné. Il faut que vous soyez assis dans la parole. Vous voyez, on est en train de distraire l'Église aujourd'hui avec des faux enseignements, des choses qui n'édifient même pas. Alors que nous sommes en train d'avancer progressivement. Et bientôt, nous allons vivre ces jours-là. Donc l'Église doit être affermie dans la parole. L'Église doit être soudée, assise. Tous, on ne va pas mourir. Hein. Ceux qui sont destinés à mourir vont mourir pendant ces temps-là. D'autres seront en cavale. Seigneur, c'est chaud ce qui arrive. Donc mes frères, c'est le moment de vous préparer à cette réalité-là. Et si tu n'es pas assis dans la parole, je t'assure, quand tu vas voir, on dit, ok, ça c'est l'apôtre Ivo, on me fait passer, on me torture, je meurs à petit feu. On te dit, ton tour arrive. Si tu n'es pas assis, mon frère, tu n'es pas assise, ma soleuse, tu vas accepter la marque de la bête. Voilà, tu vas rejeter le Seigneur. Pourtant, les prophéties ont été claires là-dessus, hein. Mais ils ont peur de mourir pour le Seigneur. Pourtant, ils disent qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Normalement, ils n'ont plus de vie. Mais ils ont peur. Vous avez peur de quoi? L'Écriture montre que ce sont ce que les apôtres disent. Depuis même notre Seigneur Jésus-Christ, par rapport aux prophéties dernières, quand Jésus est assis sur la montagne des Oliviers, Matthieu chapitre 24, il a annoncé ces choses-là, qu'on nous fera mourir. Vous pensez qu'il parlait de qui? Que notre Dieu est tellement bon qu'il ne va pas accepter qu'on meure. Les apôtres ont vécu ça en leur temps. Pour nous aussi, ça arrive. Ça arrive. En tout cas, peut-être que vous allez prier pour que ça n'arrive pas en notre temps, que le Seigneur permette qu'on meure. Voilà, et ces choses n'arrivent pas. Mais vaut mieux vous préparer déjà en conséquence. Et préparez là. Ce n'est pas aller vous faire former pour faire une guerre. On n'aura pas à se défendre. On va nous gifler à la joue droite, on va présenter la gauche. Ou à la gauche, on va présenter la droite. C'est-à-dire qu'on va se laisser faire. Mais il faut que tu sois assis dans la parole. Moi, c'est pourquoi on met l'accent sur la parole, sur la connaissance de Dieu, sur des enseignements de qualité qui vont vous affermir dans le Seigneur pour que vous soyez préparés pour ce jour-là, parce que c'est des jours compliqués qui arrivent. Bien, donc ce sera l'objet de d'autres enseignements. Je sais que vous avez beaucoup de questions certainement par rapport à cela, suite à tout ce qui vous a été dit, mais ces versets-là, je les connais. Ça n'a rien de ce qui vous a été enseigné. Donc, par la grâce du Seigneur, on va enseigner sur ces choses afin que tout le monde soit éclairé et ceux qui sont de Dieu vraiment se préparent à ces jours à venir. Voici pourquoi je voulais chuter sur ce point-là concernant Apocalypse 12. Nous sommes le reste de la postérité de la femme dans toutes les questions, c'est-à-dire Israël, nous l'Église qui gardons les commandements de Dieu et qui avons le témoignage de Jésus, c'est-à-dire l'Évangile. Le diable va se tourner contre nous. Ces temps fâcheux-là, ces temps de grandes persécutions arrivent. Préparons-nous en conséquence. C'est pourquoi je vous dis à chaque fois, soutenez-nous pour la vérité, selon votre prospérité, selon vos capacités.
afin que cette vérité soit connue. On ne veut pas que cette vérité soit connue. On ne veut pas que ces enseignements soient connus pour que vous demeurez dans l'ignorance. Et ça va surprendre beaucoup de gens. Mais ceux qui auront été avertis seront déjà préparés en conséquence. Que Dieu vous bénisse. Priez pour nous. Mentionnez-nous dans vos prières. Partagez les enseignements. Et selon votre prospérité, soutenez-nous pour le combat de la vérité de le monde. Parce que nous sommes à la recherche des enfants de Dieu qui sont dispersés à travers le monde. Soyez puissamment bénis. À très bientôt. Je vous aime. Apôtre Ribaud. Numéro WhatsApp, plus 241 74 30 10 67, fondementapostolique@gmail.com.